Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques petites nouveautés en application sur notre Google Home. Des nouveautés très sympathiques qui vont pouvoir donc nous donner des réponses à nos questions. On va tout de suite voir ensemble avec le Google Home. Merci de regarder cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, et de liker et de partager avec vos amis. On va tout de suite demander à notre Google Home de parler avec Decathlon. Bien sûr, voici Decathlon. Bonjour, bienvenue chez Decathlon. Je peux vous conseiller l'équipement indispensable pour bien débuter un sport. Quel sport voulez-vous commencer ? Équitation. C'est pour un homme, une femme ou un enfant ? Un homme. Votre sécurité avant tout, le port du casque est obligatoire. Nous vous recommandons également le port d'un gilet de sécurité. Pour votre confort, un pantalon, des chaussettes et des bottes d'équitation atténueront les frottements avec la selle et vous permettront d'adopter une bonne posture. Sachez que certains modèles de bottes sont disponibles en plusieurs tours de mollet. Vous retrouverez ces produits en magasin ou sur decathlon.fr. Dites-moi si je peux encore vous aider. Oui. Je sais vous conseiller pour débuter un sport dans les meilleures conditions. Quel sport voulez-vous découvrir ? Par exemple, trekking, golf, randonnée ? Randonnée. C'est pour un homme, une femme, un garçon ou une fille ? Une femme. Pour bien débuter la randonnée, les trois indispensables sont des chaussures avec une bonne accroche et un bon amorti, une veste imperméable et un sac à dos. Pour faire le bon choix, prenez en compte le type de terrain, plaine ou montagne, la durée de vos sorties ou encore la météo. Pensez à bien répartir la charge dans votre sac à dos et ne portez pas plus de 25% de votre poids. Enfin, pour plus de sécurité et de confort, nous vous recommandons d'utiliser des bâtons. Tels des amortisseurs, ils limitent de 25% l'impact sur vos articulations. Vous retrouverez ces produits en magasin ou sur decathlon.fr. Dites-moi si je peux encore vous aider. Non. C'est noté, je retourne m'entraîner pour mieux répondre à vos attentes. À bientôt chez Decathlon. Voilà donc l'application Decathlon sur le Google Home. Elle va pouvoir vous donner la possibilité de choisir vos équipements suivant votre sport. Pour vos enfants, pour vous-même, pour votre femme. Donc, c'est vraiment super sympa cette application. Voilà pourquoi, comme d'habitude, je vous partage les applications toutes fraîches, toutes nouvelles sur le Google Home. On passe donc à la seconde application. C'est parti, donc, next. Pour cette deuxième application, apparemment, elle n'est pour l'instant pas disponible sur le Google Home, mais elle est disponible sur votre tablette ou sur votre smartphone. Et tout de suite, on va lui demander de parler avec 100 000 poèmes. Ça, ce n'est pas dans mes cordes. 100 000 poèmes. Vocalero. Essayez. L'assistant 100 000 poèmes de Vocalero répond instantanément par commande vocale. Il a accès à un grand nombre de textes dans plusieurs langues et peut vous les lire à la demande ou diffuser une version lue par l'interprète de votre choix. Et plus. Demandez à l'assistant. Voilà, donc comme vous avez entendu, énormément de poèmes peuvent vous être lus par l'assistant vocal et par une personne en réel. On va écouter tout de suite ça. Je veux me connecter à 100 000 parler avec 100 000 poèmes. Assistant Google. Très bien, je vous mets en relation avec 100 000 poèmes. Bonjour, je peux vous réciter un poème au hasard. Ça vous dit ? Oui. Le cheval Parthénon s'énerve sur sa frise pour, du fin fond du nez, exciter les arceaux. Le chauffeur, indigène, attendait dans la brise. Il chantait tout de même, oui, mais il chantait faux. Souvenez-vous, amis, de ces îles de frise. Quand se carbonisait la fureur des châteaux. Il grelottait, le pauvre, au bord de la Tamise, lorsqu'on voyait au loin flamber les arbrisseaux. Du Gange au Malabar, le lord anglais zozote. On comptait les esprits acérés à la hotte, lorsqu'on revient au port en essuyant un grain. Ne fallait pas si loin agiter ses breloques. On transporte et le marbre, et des bris, et des frocs. Le mammifère est roi,
Nous sommes son cousin. C'était le poème numéro 123 du recueil 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. Bonjour, je peux vous réciter un poème au hasard. Ça vous dit ? Le marbre pour l'acide est une friandise. Snob, un peu sur les bords des bords fondamentaux, le turc de ce temps-là pataugeait dans sa crise. Qui sait si le requin boulotte les turbos ? Voilà donc une petite application très sympathique qui va arriver sur le Google Home. Parler avec 100 000 poèmes. Donc pour les amoureux des poèmes, vous allez pouvoir écouter tout au long de la journée des super poèmes, en apprendre. C'est vraiment super génial, je trouve. Je sais que tout est vocalisé, donc c'est très bien pour les personnes déficientes visuelles. C'est très bien pour les personnes qui veulent entendre, écouter la musique et aujourd'hui écouter des poèmes. On va tout de suite passer à la troisième application. Une prochaine vidéo sortira pour vous montrer d'autres applications existantes sur notre Google Home. C'est parti donc pour la troisième application, Next. Pour cette troisième application, l'ayant testée, on va tout de suite lui demander de parler avec Magic Action. Bien sûr, voici Magic Action. Bonjour, êtes-vous le patron de votre propre esprit? Croyez-vous tout ce que vous voyez? Bienvenue sur le spectacle Action Magique où la magie va se passer aujourd'hui. Oh oui, petite note, je n'utilise jamais d'acteur ou de truc de caméra. Vous pouvez choisir entre puzzle 1 à puzzle 10. Ou pour une expérience 1 ou 2, que voulez-vous jouer? Puzzle 1. D'accord. Est-ce que j'ai votre attention? Oui. Comme j'allais à Saint-Yves, j'ai rencontré un homme avec 7 femmes. Chaque femme avait 7 sacs, chaque sac avait 7 chats. Chaque chat avait 7 kits, chat, sac et épouse. Combien allait-il à Saint-Yves? Et réponds-moi en 30 secondes avec A pour 2801, B pour 2401, C pour 19607 ou D pour une seule personne. S'il vous plaît, fournissez-moi maintenant la réponse. Est-ce A, B, C ou D? D. C'est la bonne réponse. Félicitations. Oui, il n'y a qu'une seule personne qui va à Saint-Yves. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc, Magic Action sur Google Home. Testez ces applications. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez éventuellement de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu. Partagez-la. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous!